Mesdames et messieurs, bonjour. Et c'est avec un réel plaisir que je suis là ce matin pour vous parler de sujets qui nous interpellent tous, les effets des changements climatiques. Au Sénégal, il faut reconnaître que le système de responsabilisation mis en place, notamment la décentralisation, permet aux élus locaux et aux populations qui les ont élus d'interagir, d'échanger et d'évaluer ensemble les initiatives de lutte contre les effets des changements climatiques. C'est dans ce contexte que le choix est porté sur les audiences publiques et sur les émissions radio pour une redevabilité efficace. Ce qui signifie plus de transparence des personnes impliquées dans la gouvernance des fonds climat afin de faire participer davantage leur communauté sur la gestion de la chose publique locale. Et les élus doivent aussi rendre compte de leurs actions aux communautés. Une initiative mise en place par IED Afrique, Innovation, Environnement et Développement, avec le soutien financier d'OSIWA, Open Society Initiative for West Africa. L'expérience se déroule dans deux collectivités territoriales de la région de Kaffrine, Dianguessouf et Boulel. Cet atelier entre dans le cadre de la préparation des audiences publiques. Ici, les animateurs locaux bénéficient de renforcement de capacités en présence du comité de pilotage composé d'agents de services techniques de l'État, l'ARD et les techniciens de IED Afrique. Ce renforcement des capacités des acteurs communautaires montre le caractère endogène de l'initiative pour garantir sa durabilité. Après tout le travail de formation, de mise au point et de sensibilisation en amont par le comité de pilotage, l'audience proprement dit dure 2 jours. Le premier jour pour la préparation et le second jour pour le déroulement de l'audience publique. Les élus de ces deux collectivités territoriales ont bien compris que les défis pour renforcer la résilience face aux effets des changements climatiques nécessitent un bon dispositif de gouvernance. La rencontre préparatoire à l'audience, un rendez-vous important d'échange entre le maire et les représentants dans tous les secteurs de développement économique et social, y compris les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Suivons ce reportage dans les communes de Boulel et Dianguessouf. C'est la salle de délibération de la mairie qui abrite la phase préparatoire de l'audience publique en présence du maire. Le choix des participants est loin d'être fortuit. Nous avons 25 personnes. 25 personnes, il faut 10 personnes. Donc, nous avons fait des choses. Nous avons fait des tailleurs, des baykats, des sammkats, des groupements de promotion féminine. Ay groupement des jeunes AIC lepp ngi ci bir pour que toutes les couches socio-professionnelles ñu mëna représenter aux filles. Sont représentées dans cette salle toutes les couches professionnelles et sociales, y compris les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap. Le maire fait d'abord une communication sur le budget, les différentes sources d'apport et sur la gestion communale des fonds climat. C'est pour faciliter aux parties prenantes l'identification des thématiques et la préparation des questions. Présentation compte gestion 2015-16-17. Je me suis enchaîné directement en parlant des réalisations par le projet IED. Parce que IED n'a pas fait un peu de temps. Je suis 30 640 000 IED qui ont été dans la collectivité locale Dianguessouf, qui DFC. Madame, décentralisation, fonds climatique. Pendant que le maire est en train de faire sa présentation, l'animatrice identifie les thèmes qui feront l'objet des discussions dans les groupes de travail qui seront ensuite constitués. Après avoir terminé sa présentation, le maire se retire de la salle. Les représentants des communautés avec l'encadrement des animateurs poursuivent les travaux. Pour certains, il s'agit de compléter la liste des réalisations qui n'ont pas été citées dans la présentation du maire. Pour d'autres, c'est des interrogations sur des promesses qui ne sont pas tenues ou sur l'arrêt de chantier. Secteur élevage, de qui est Diego, am solo te deug mom tuddu ko. Dañ lay laaj li tax ñun ñuy liggéey ci suñu tool di temps di ko di bay di ñam di bay tamat di bay kañ di bay naaj. Amu suñ ko jaay. Lool lu mo lu tax. Après avoir identifié tous les thèmes selon les secteurs d'activité et les centres d'intérêt, les participants choisissent les thématiques sur lesquelles les débats seront orientés et ils forment des groupes de travaux pour réfléchir sur les potentielles questions qui devront être adressées au maire le jour de l'audience publique. Ma question, maire, moi,
lutax jigen ñi mënuñu am souf di ci bayel seen bop comme goor ñi ñu koy amé dama gis né puisque maru xende bi ñu ko bëgg réhabiliter ma don laaj est-ce que parce que amna d'autres mar très importantes yu nekk fi est-ce que lolu ñu xalaat pour def ko xende est-ce que xalaat na pour mu gëm ko yok manam yobbu ko ci yeneeni mar yi. Après le travail d'identification des questions, nous passons à la séance de restitution pour le choix définitif des questions qui doivent être posées le jour de l'audience publique. Les travaux de groupe sont ponctués par une séance collective de restitution avec présentation des réflexions par le rapporteur de chaque groupe. Quatrième question, Nyune, envisagez-vous d'étendre la réhabilitation des mares dans d'autres sites? Avez-vous une politique d'appui matériel ou financier pour aider les ASC à participer à la propreté de leur localité? La fin de l'activité est couronnée par le choix définitif des questions, ce qui va mener tout droit à l'audience publique. Dans le but toujours d'encadrer l'audience publique, l'animateur fait un dernier rappel des règles. Quelle est l'affaire politique? Quelle est l'affaire de développement? Quelle est l'affaire de développement aussi? Moi, attaque personnelle sur le maire. C'est sa vie privée. Donc, qui pose la même question, Le citoyen, informé de ce qui se passe dans sa localité, n'est plus un simple acteur passif de développement. Au contraire, il se sent concerné et cherche à s'impliquer et mieux, il se sent responsabilisé. À Boulel et Dianquessouf, les populations ne conçoivent plus le développement local comme seule l'affaire des élus. Les audiences publiques, un moment de dialogue, d'échange entre le premier magistrat et sa communauté. Sous une tente dressée pour la circonstance sur un espace ouvert, M. le maire lance le début de l'audience publique. Toutes les couches socio-professionnelles ont pris part à la séance, les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap également présentes. Je vous remercie de deux initiatives humaines qui nous continuent. Parce que nous avons été en train de ñu fal la ya wara doon sen jam di len liggeyal té askan wi dañ né ata sama ko wax tout ce que tu fais pour moi sans moi tu le fais contre moi té nak kilifa suy defal askan da ko wara yegal li la ko bëgg def comme niñ koy défé ci débat d'orientation budgétaire yi ma di la laaj jigéen est ce mo am sax sañam ak dogal ci walu suuf ñu libéré ko mu bay maraîchage rewata ko am fu ko jaay Il apparaît que les questions liées aux programmes et projets de résilience face au changement climatique sont au premier rang des préoccupations des populations. Il n'y a que deux voire trois écoles qui ont été clôturées. Quand nous sommes là, nous avons une de clôture pour nous école qui ramener les 24 écoles qui sont au niveau de la commune de Boulogne. Mais je pense que vous êtes une commune de Boulogne avec une priorité. Comme si mon monde, mon monde, mon monde, mon monde,
dañuy prioriser rek li nga dañuy yaakaar ne xëy di mooy priorité ñu def ko. Mais def bi ñu dajate conseil ñu ne priorité mooy écologie école. Bu boobaa ñu priorité école rek. Nous sommes à la fin de l'événement. Tous les sujets ont été abordés et M. le maire clôture la cérémonie. Ñepp li leen taxa jël parole moy pour xam ñukoy rafetlu ki borom dekk yi da ci am ño xamni dañu bayyi liñ doon def ñu ñew téwé ko depuis demb ñu ngi fi bougé wu ñu demu ñu fenn waaw ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sante wassalam. La radio est l'un des médias les plus accessibles surtout dans le monde rural. Il est un excellent outil pour éduquer et informer la communauté. Le deuxième outil de redevabilité mise en œuvre est l'émission interactive. Elle a aussi le même objectif que les audiences publiques. Elle permet de toucher un plus grand nombre de citoyens vu la couverture territoriale des radios communautaires. Le maire Souleymane Ndiaye de la commune de Boulel est en direct dans l'émission Un élu à la radio. Inviter un élu qui doit répondre en direct aux questions des populations peut au premier abord se révéler facile. Mais cela nécessite en réalité une bonne préparation. Une bande-annonce est tout d'abord confectionnée pour susciter une bonne participation des auditeurs. À l'image des audiences publiques, l'émission radio aussi nécessite un bon encadrement. Il s'agit de mieux imprégner les populations avant de les faire passer à l'antenne. Seigne bi nodou tak fay wote man la Momadou Ndaw dekk Boulel. Momadou Ndaw Boulel, bismillah. Na ngeen def yene ci jamm? Alhamdullah. Tiajeuf dafa amone ñaari question yu ma bëggone laccé. Allo, ma lay deg Ndaw. Yu jëm ci walu changement climatique yi parce que ñi ngi gis ci panneau yi ñu ci def projet bu melni DFC, décentralisation des fonds climat. Jot na am ay jéego yu mu def fi ci commune bi. Waa dama doon laaj ni tey ji projet bi su fi nekkatul commune bi ban taxawaay la mën def pour pérenniser investissement yi nga xamante ni waa DFC jot nañ ko fi def. Ndaw sa question yi am na solo te sawar naa ci trop parce que question boo xam ne moy nuñu sinu manam sinu suba nuñu fexé bu projet yu nek am ma dox lolou am solo motax bo sété ni teugé projet yépp par exemple bo jëlé ñaari projet nga am bo jëlé nettoyement bi nettoyement dañ mettre en place ben équipe donc duñ tuddé comité de gestion bi sax mairie bokku ci mairie bi mu défé lepp projet bi ñëw ba nek en place l'année askan bi jël len ko ngén géré ko askan bi mo jël projet bi diko géré ko soxla poubelle li lañ koy jaayé ñi ci dawal charité li lañ leen di fay bon tant que nit ñangi def lolu ni di bu mbalin mi ñuy fay ñuy poubelle di ñu ko ramasser projet mo na am 100 ans parce que lolu mo koy doxal. Les audiences publiques et les émissions radio, ces deux outils sont testés dans les communes qui ont bénéficié du financement du projet décentralisation des fonds climat. Un projet qui a pour objectif aussi de prouver que les collectivités territoriales peuvent gérer efficacement les fonds climat. L'initiative est mise en œuvre par IED Afrique, une ONG basée au Sénégal. Elle intervient sur les problématiques de développement durable et de citoyenneté en Afrique en mettant l'accent sur les innovations méthodologiques et participatives. Nous sommes arrivés au terme de ce grand reportage, ces deux outils de redevabilité testés dans les communes de Dian Kessouf et de Boulel ont prouvé leur efficacité en matière de transparence et de bonne gouvernance.